la suite avec Marion, Pierre, Patrick et avec nous ce soir un journaliste, réalisateur, acteur, animateur, fanfaron, troubadour, pitre, qui a longtemps cherché les embrouilles avec un certain Didier. Bonjour. Salut Quentoche. Bonsoir. Ouais, c'est l'embrouille. Didier l'embrouille. Hé, hey, Quantique, normalement pour moi, un mec qui joue au foot, c'est ce que c'est. C'est une tapette. T'étais bien parti pour la coupe des tapettes vainqueuses de coupe. Sauf ça, c'était avant ton bouquin. Depuis ton livre, j'ai décidé que les vraies tapettes, c'était les rugbymen. Oh, les tapettes du jeu à 15, là. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Salut Antoine. Mr. Hyde. Mon Mr. Hyde. C'est vrai? Bon, là, c'est oui. Docteur... Jekyll. Jekyll, ouais. Voilà, je cherchais, ouais. Excusez-moi. Ouais, ravi de vous recevoir à l'occasion d'une soirée replay avant l'issue sur Canal+, une émission où les nouveaux talents de la chaîne cryptée revisitent, réinterprètent toutes les pastilles qui ont fait le succès de Canal+, le SAV de Nomar et Fred, Catherine et Liliane, le cinéma de Jamel, la Minute Blonde, ouais. Et pas de Didier Lembrouille. Non, parce que justement, ce n'était pas une des pastilles. Mais c'est Didier... dommage. Ah oui, non, mais la convention, c'est les pastilles d'humour. Donc ça va des chiens jusqu'à Bertrand Huskla aujourd'hui. Mais non, pas ce qui s'est passé en plateau, sinon il y aurait les nuls aussi. Oui, c'est vrai. Vous y êtes. Tant qu'on y est. Ça ne vous manque pas quand même ces personnages, Moin-Moin, Pine d'huître, enfin c'est le même. Monsieur Langue de pute, Laura Gauthier Mondain, Raoul Bitambois, Aquarium, qui avait la main lourde sur le cannabis. Non, en fait, non, je ne peux pas dire que ça me manque, parce que justement on a arrêté au moment où il fallait arrêter. Ouais. On l'a... Pardon. Et puis, on vous le rappelle tout le temps. Non, mais il fait un clin d'œil, là. Non. Si, si, si. Ah bon, enfin, je fais des clins d'œil automatiques. Pardon, Patrick. Mais si. Patrick. Non, ça ne peut pas vous manquer, puisqu'on vous le rappelle tout le temps. Voilà, j'ai l'impression que c'était hier soir. Hein, non, mais non, on l'a fait, quand même pendant 6-7 ans. Ouais. Ah ouais. Bah, il nous manque aussi, hein. Oui, franchement. Voilà. Vous étiez une star de Canal, mais pour autant, les filles ne s'évanouissaient pas sur votre passage. Vous parlez à la parfaite, là. Elle s'évanouit. Donc, ah oui, donc c'est venu sur le tard. Il y a un effet retard, voilà. C'est ce qu'on appelle un effet retard. Une bombe. D'ailleurs, peut-être votre petit clin d'œil, c'était. C'était un évanouissement non fin. Non, parce que vous dites fait que ça, m'a fait. Le public vous voyait plutôt comme un objet ménager, une sorte d'aspirateur, quoi. Oui, comme un objet, bah, voilà, comme il y a dans un salon, un miroir, un tableau. On faisait partie des meubles, littéralement. Quand vous êtes chez les gens au quotidien, comme ça, avec une émission, quand vous êtes une image qui bouge, qui parle, qui les accompagne à un moment important de la journée, c'est le moment où on rentre, où on est censé se détendre un peu. Non, ça vous est... Si, si, si. Elle m'a refait un clin d'œil. donc on est un objet ménager, on devient un objet parmi les autres. Bon, bah, c'est pas trop mal, finalement. Bah, c'est utile, surtout, un objet ménager. Il n'y a pas de date de péremption. Exactement. Donc, personne pourrait susciter Didier Lembrouille. En revanche, Laurence Arnay et Camille Chameau pour rejouer Catherine et Liliane. Ah bah il y a un nouveau test pour le Covid. Ah oh, non, j'en peux plus moi. Finito. Basta. C'est un test chinois. Oh. Évidemment. Dans l'anus. Ah bon? Non, parce que le nez, ça irrite. Vous dites que c'est une grande partousse créative entre adultes consentants? Oui, alors c'est, l'expression ne vient pas de moi, hein, mais d'Ariel Saraco, qui je rends hommage au passage. Très inspiré. Oui, oui, ou Bertrand Delaire. Non, c'est pas moi de ça. En revanche, cette bonne idée, qui vient d'eux aussi, de faire des chaises musicales et de proposer à, comme vous le disiez très bien, ces jeunes talents de reprendre des formats qui ont existé depuis 30 ans, ça c'est vraiment une bonne idée. Vraiment. Et qui peut à la fois se décliner sur des programmes d'humour, mais peut-être, pourquoi pas, je le suggère ici au passage, peut-être sur des scènes de cinéma, il y a plein de choses à faire autour de ça. Alors, une des pastilles cultes de l'époque, c'était Les Deschiens, diffusée dans Nulle part ailleurs. On se souvient des comédiens qui sont toujours là et qui triomphent sur différentes scènes. Yolande Moreau, Olivier Saladin, Philippe Duquesne et évidemment François Morel et Bruno Lochet. Bonjour Bruno, comment t'appelles-tu? Bruno Locher. Et tu cherches un emploi de? Antoine de Caunes. T'as le goût de l'écriture, peut-être? Non. T'as déguisé, peut-être? Non. Mettre des chapeaux? Non. J'ai appris qu'il allait rencontrer Estelle Hallyday. D'accord. Bon, moi, j'aimerais bien... Vers des jolies petites pépées? Ah oui, ça, j'aimerais bien, oui. Bon, est-ce que tu accepterais, pour vers des jolies petites pépées, de travailler avec un gars qui a un physique plutôt ingrat? Je suis prêt à faire des efforts. Voilà, des sacrifices. Hein? Ce que je vois aussi, c'est surtout, bon, ben, il travaille 1h30 par jour. Voilà. Hein?
Et puis bon, ben, il s'en fout plein les fouilles. D'accord, donc arriver ouais. comme ça pour être tranquille à 18h. Oui. Hein? Et puis à 20h30. Je suis tranquille. Être tranquille. Et voilà. Et dans cette soirée replay, vous donnez de votre personne, puisque vous rejouez les Deschiens aux côtés de Stéphane de Groot, et ça vous donne l'occasion, ça nous donne l'occasion de vous retrouver avec vos célèbres lunettes de Gérard Langue de Pute. Ils sont mes vraies lunettes. www./qui-n'en-veut, le site des jeunes qui n'en veulent. Aujourd'hui, il y a un jeune qui n'en veut, c'est mon gars Stéphane de Groot. Bonjour Stéphane de Groot, comment t'appelles-tu? Je m'appelle Stéphane de Groot. Et tu viens d'où? En Belgique. Très bien. Alors, c'est quoi ton idée, Stéphane de Groot? C'est mon idée. Elle est bonne. Elle est bonne et elle pourrait même intéresser les Américains. Oui, on va pas s'emballer tout de suite non plus. Allez, Stéphane, continue. Alors, déjà, mon idée, il y a toute la partie accessoirisation. Alors, il faut un téléphone. Oui. Un téléphone. Et puis, c'est un gars qui appelle un autre gars sur son téléphone. Franchement, vous m'avez bien fait marrer. Et vous les aimez d'autant plus que vous avez vraiment tout fait pour qu'ils rejoignent Canal à l'époque. Oui. Ah oui, effectivement. Je vous le confirme. Oui, parce qu'en fait, on était tombé sur... avec Philippe, on était allé voir la troupe de Jérôme Deschamps et Macha Makayev, ouais, au théâtre. Et après, je ne sais plus quelle pièce c'était. Je crois que c'était Lapin Chasseur ou sans doute... Je crois que c'était le Lapin Chasseur. Ouais. Et à la fin de la représentation, dans le hall, ils diffusaient sur des postes des petites pastilles comme ça, ces petites séquences qu'ils avaient enregistrées, mais à titre expérimental, quoi, pour essayer quelque chose. Et avec Philippe, on a été tombés, mais très oui. dingue de ça. On avait apporté ça à nos patrons, qui s'appelaient à l'époque Pierre Lescure ouais. et Alain de Greffe, et qui nous ont dit banco. Direct. Voilà. Et alors, il y a eu pas mal de résistance au départ, quand même. Ah. Ça n'a pas été admis tout de suite, ouais. Les Deschiens. Ouais. Ah, mais après, c'est quelques remous, oui. Ouais. Considérés comme... Vraiment quoi. Bien. Considéré comme quoi? Comme un peu, on se moquait ouais. Des gens sans moyens, on se moquait des pauvres, alors que c'était exactement le postulat inverse. Quoi. Ouais. Exactement. Ouais. Ouais. Alors parmi toutes ces pépites, il y avait évidemment le service après-vente d'Omar et Fred et sa galerie de personnages cultes. François le Français, Doudou, Captain Speaking, Tata Suzanne, qu'on aimait beaucoup, ou encore Super Connard, évidemment. Ici avec Artus et Guillaume Gallienne. Service après-vente, bonjour. Bonjour, vous reconnaissez? Non. C'est moi qui dis la Covid. Comme ça, quand les gens ils disent, oh t'as eu le Covid? Non, c'est la Covid, attention, faut pas se tromper. La Covid, c'est moi, Super Connard. Ah oui, c'est moi, c'est quoi? C'est la Covid. Service après-vente, bonjour. Bah dis donc, tu viens plus aux soirées? Bah non, parce que je me suis dit avec le Covid et tout, les gestes barrières... Bah justement, on a fait une soirée Covid. Ah bon? Ah, je peux te dire qu'on a mis du gel, hein. Ouh, ça glissait. Ça glissait. Ouh, ça glissait bien. Ah. Très réussi. Et évidemment, on résiste pas une fois de plus à l'envie de regarder un extrait de l'original. Service après-vente, bonjour. Bonjour, vous me reconnaissez? Non. Mais si, c'est moi, la piscine. Je fais pipi dans l'eau parce que j'ai pas envie de sortir. Je fais pipi avec mon gros zizi. C'est moi, Super Connard. Super Connard. Ah oui, c'est moi. Je fais pipi avec mon gros zizi. Il faut regarder Pierre en train de regarder le SAV. Est-ce qu'il y a parmi tous ces sketchs cultes, et est-ce que vous pensez que certains ne seraient pas diffusables aujourd'hui? Honnêtement, non. Plus diffusable. Non, non. Mm. Très sincèrement, non. Il n'y a pas eu de censure. Non, vraiment pas. Et dans les programmes courts, hein, toute cette gamme de programmes dont on parlait là, non, parce qu'à chaque fois, c'était des... Il y a des programmes qui ont suscité des réactions plus ou moins contrastées. Je pense à Connasse, au début de Connasse, pareil, oui. Tout le monde gueulait en disant « qu'est-ce que c'est que cette arrogance ?» Mais en fait, c'était toujours très en phase avec le moment, avec l'air du temps. Et pour moi, le trait commun quand même de toutes ces histoires, c'est que ça n'a jamais été ni arrogant, ni supérieur, ni donneur de leçons. C'est un humour bon enfant, un peu potache, parfois un peu concon. Voilà, on l'assume tout à fait, ouais. Ça. Ouais. Vous ne pas concon, mais l'humour... Si, mais vas-y, j'assume tout à fait. Ouais. Ouais. Non, ça, on reconnaît l'humour de Pierre dans chacune de ses pastilles. Ah, en fait, c'est Pierre qui écrivait. Ah, il a fait un boulot de malade. Hein. Avouons-le ce soir. Évidemment. Alors moi, on ne m'a pas confié de pépites, mais on m'a confié à la question qui fâche. Donc vous êtes arrivé sur Canal le 4 novembre 84, ouais. Dans une version Rousselet, Lescure, de Greffe, ce qui a pas mal changé. Vous êtes toujours bien sur Canal?
Écoutez, c'est le, très honnêtement, c'est le seul endroit où je peux fabriquer la télévision que j'ai envie de faire. C'est-à-dire que ce soit avec la Gaule d'Antoine, que ce soit aujourd'hui avec l'émission qui m'ont proposé de reprendre Profession, qu'animait Michel avant, qui est vraiment un pur moment de télé gracieux, dans le calme, où on a le temps de se parler, un peu comme ici en ce moment. Oui, c'est le seul endroit où je peux travailler. Maintenant, évidemment, la chaîne a changé, c'est plus du tout... Le panorama télévisuel a changé, et puis dans la même époque... Vous avez été amené parfois à vous poser des questions sur votre maintien dans cette chaîne ? Honnêtement, non, puisque je ne fais pas que de la télévision. Donc c'est pas comme si j'étais attaché, arrimé à une chaîne de télévision. Je suis allé me balader, je suis allé faire des documentaires, je suis revenu, j'ai fait des films. Mais ma base, mon attachement, mon ADN, ça reste Canal.